Alors, j'espère que ça va. Hello, hello. J'espère que tu vas bien. Alors, tu t'es disputé avec ta chérie ou ton chéri. Voilà, vous avez souvent des conflits ensemble. Tu en as marre. Tu aimerais que ça fonctionne. Tu voudrais que la relation remarche. Alors, il faut toujours, avec la loi d'attraction, avec les énergies de l'univers, il faut toujours en fait regarder le côté symbolique. Remarcher, remarcher ensemble, remarcher. On va parler de chaussures. Donc, tu connais mes chaussures déjà, hein, tu les as déjà vues. Alors, je vais te donner une technique imparable pour que la situation remarche. Donc, c'est pour un couple qui s'aime, un couple qui est ensemble, mais ils ont beaucoup de conflits. Ok? Qu'est-ce qu'il va te falloir? Il va te falloir du sel. Ok? Du sel, du simple sel. Tu vas mettre, donc, si tu as beaucoup de conflits dans le couple, si vraiment, 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 tu trouves qu'il y a beaucoup de problèmes, beaucoup dans le couple, tu vas utiliser donc une simple salière, du sel fin. Il faut toujours que tu te demandes pourquoi tu veux que ça marche. Est-ce que c'est la situation, tu devrais même mieux la laisser pourrir, on va dire, quitter la personne, ou est-ce que tu tiens cette personne et tu veux que ça remarche? Si tu veux vraiment que ça remarche, tu vas mettre du sel sous la chaussure, d'accord? La gauche, sous la chaussure droite, ok? Et tu vas en mettre un petit peu à l'intérieur en disant ceci. Ma relation remarche. Ma relation remarche. Tu peux en mettre sept fois dans l'un, sept fois dans l'autre. D'accord? Donc là, j'ai pas fait sept fois, tu comptes bien sept fois, d'accord? Et ensuite, tu vas laisser tes chaussures sous ton lit pendant au moins 3 nuits d'affilée. D'accord? Tu laisses pendant 3 jours et 3 nuits tes chaussures sous ton lit. C'est très important parce que le lit, c'est très symbolique. Quand tu vas dormir, il y a des énergies qui vont se diffuser. À l'intérieur du sel, le sel, ça va absorber les énergies négatives, tu vois, donc c'est très, très symbolique. Et tu fais ça, après tu remets tes chaussures, tu peux les secouer, tu peux refaire sortir le sel, tu peux bien, tu sais, faire comme ça, voilà, et voilà. Donc ça, c'est pour apaiser. D'accord, voilà, ça c'est pour apaiser la relation, c'est pas pour sceller ni rien, c'est pour enlever un petit peu voilà, les conflits. Voilà, donc si tu veux que ce rituel fonctionne, si tu veux que cette astuce fonctionne, il faut montrer de la gratitude et pas, voilà, pas autre chose que de la gratitude. Donc tu t'abonnes, tu mets un cœur et tu t'abonnes à la chaîne YouTube, le lien est en bio. Si jamais tu es déjà abonné, donc déjà je te remercie. Si tu veux quand même contribuer à faire un petit quelque chose, tu mets un cœur, voilà. Si tu as les moyens ou si tu veux, tu fais un petit cadeau. Voilà, tout simplement. Je te souhaite le meilleur et je te fais de gros bisous. À bientôt.